Hello tout le monde, bonjour les fans de course, comment allez-vous? C'est Ryson Monster alias Goldougui. Je suis avec le fondateur de la chaîne Flash et Big Gaming, vraiment 89, alias le démolisseur de minuit. Salut. Quoi, c'était pas ton surnom? Ton pseudo Stacker, non? Merde, bon bah tant pis. Eh, sois un peu plus enthousiaste, c'est Destruction Derby. Je sais, mais bon quand même, tu vois... toi, juste pour des raisons de ponctualité, pour des trucs qui sont même pas en direct, alors que je fais justement des recherches pour ça. Bon, certes, tu veux pas trop qu'on en parle, mais bon, ça m'a donné une idée quand j'ai vu les vidéos de MXC qui avait fait un truc en bouton en direct. Bon, pour une fête, on va pas faire un débat, on va plus se concentrer sur la vidéo. Bon, enfin, tu vois, si on trouve le moyen qu'on le fait, ça propulserait la chaîne. Parce que là, ça fait on en reparlera plus tard, on a dit. Excusez les nonnes, il y a un peu chaud patate. J'ai envie d'en découvrir. On se retrouve donc pour une vidéo sur Grid Autosport en mode écran partagé avec donc le Stock Car, le derby de démolition sport préféré de Lennon. Alors on est parti pour une petite course. A toi l'honneur. Carré pour choisir un billage. Oh bon, je vais prendre comme ça. Parce que pour t'éclater la gueule, ce sera suffisant. Alors, Lennon, selon toi, quelle est la définition de Stock Car? Bah, se foutre sur l'orable, tout simplement, hein. tout simplement. Alors donc, question de ponctualité, parce que surtout moi, j'ai envie quand même d'avoir mes petites news du mercredi sur blogauto.com, donc si ça j'aime pas, je préfère tourner la vidéo vite fait, bien fait. Ouais. Bah et tiens, si, dès qu'il y en a qui le verront, si ça comment on fait des vidéos en gouttes en direct sur Android, n'hésite pas à le mettre en commentaire comment on le fait. Parce que Google n'est pas très clair sur ce point-là malheureusement. Enfin, je trouve... Google ou Google Chrome? Non, Google, pas le navigateur, Google, leur sorte d'aide, ils sont très clairs. Mais le problème, c'est qu'ils se concentrent plus sur le PC pour tout ce qui est en route en direct. On est parti! Qui est quand même leur système d'exploitation. Je trouve ça dommage. Bon, alors donc, l'avantage de Lennon, c'est que lui, le Destruction Derby, c'est un peu son truc, vu qu'il fait tout plein d'accidents. Désavantages et inconvénients pour moi, je suis pas très doué. Ah! Et en général, quand je pars en fond de grille en stock car, et ben, les cours je les termine pas. Ah! Pénétration dans le mur! C'était intense! Ah, donc pour le flashback, excusez, mon inexpérience en en derby de mouchon, bah Lennon accepte pas qu'on le mette en illimité. Ah bah c'est surtout pour ma semaine parce que je vois pas grand chose. Ah, tu sais quoi mec, si tu veux on échangera les places des canapés. Est-ce que j'ai donc ces petits feux en direct? Ah tu dépasses? Tu te déplaces? Je me déplace sur mon cul! Attends! Comme ça, il y a un peu plus d'espace. Et bah putain, la déchetteuse a intérêt à foutre ses pneus là où je me le pense pas, hein! Dans mon cul? Non? J'ai dit là où je le pense pas! Ah, dans ton cul alors? Non? Non, je parlais du lac Michigan. Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Ah oui, parce que j'en ai trois, ouais. C'est une blague. Ah! What the... C'est bon, j'ai pas besoin d'utiliser Flashback ou quoi que si. En fait, ça va servir à rien du tout, puisque ma bagnole est toujours... Ah! Pénétration! Oh là là, c'était intense, les amis. Voilà, vous, comme vous l'avez vu sur Grid A, c'est beaucoup plus ça le mode de Destruction Derby, c'est les bagnoles, elles se pètent vraiment moins facilement, alors que là sur Grid Autosport, franchement, ces bagnoles sont vraiment moins résistantes. Ah mais c'est bien qu'il y ait plus de rails sur les dégâts, ça j'adore. Tant qu'au plus, c'est juste qu'au bout d'un moment, plus tu roules avec, c'est un peu trop rapide.
c'est pas assez fun. Pourtant les Américaines avec trois roues, et ils sont pas exigeants, avec trois roues ça suffit, non? Ah regarde-moi ça, j'ai plus de train avant moi. Plus de train avant gauche. Je suis déjà mort, espèce d'enfoiré. Oh, je me défoncer. Je suis sûr de finir dernier. Bah, essaye de faire la route parce que quand je te rattrape. Voilà, bah tu viens de me dépasser, je vais me tuer un fois, je ne pourrais pas aller, ça sert à rien du tout. Non, c'est pas quoi. Bah, ce qui est bête, c'est qu'il laisse le pas les. Tu vois, les dégâts sont pas que visuels quoi. Faudrait pouvoir remettre que les dégâts visuels dans ce cas-là. Bah, on les mettra lors de la prochaine fois, parce que ça me désavantage un petit peu. Ça me désavantage trop, tu vois. C'est ça qu'il faudrait faire. Ouais, puisque moi, je tiens pas plus de 3 tours en général. Et ça, je l'ai dit lors de la vidéo de test sur Redriver Grip que c'est 3 tours minimum. Hein. Et encore, tu t'en sors bien parce que généralement, au discussion derby, si tu t'en sors mal, c'est que tu passes pas le premier tour. Si tu passes le premier tour, t'as tout fait généralement. Ouais, ne dis pas que c'est pas prévenu que le discussion derby, quand je suis contre un homme, j'ai vraiment moins de chance de gagner, j'ai même aucune chance de finir sur le podium. Même aucune chance de faire un top 10, j'ai même pratiquement aucune chance de finir la course. Et moi je me suis mal placé comme un con départ, résultat, je me suis bien pas eu de la bagnole, mais pas trop. Oui, je suis arrivé. Allez, vas-y. Go, allez, vas-y, ramène la voiture au bercail. Oh, on y croit, tu vas la ramener. Hein. En faisant chaque fois du 3 en faisant du 27 km/h Bah quoi tu pour finir le tour, merci. Tu manges pas les murs, t'es pas content. Ah, ouais, je peux plus démarrer, c'est malin. Ah si. Ça repart. C'est pas mort encore. Ouais, mais toujours à 27 km/h pas plus hein. Mais c'est pas mort. C'est 30, 31 plutôt, mais par ça. Normalement c'est 27 hein. Ça c'est juste qu'on va pousser. Allez vas-y, ramène ton cul. Rappelle-moi combien t'es parti. Ah oui, deuxième sur la grille. Pourquoi? T'es parti combien? 8ème. Bah tu vois, j'ai moins perdu de place que toi. Hein. Ouais, enfin moi, toi t'étais mieux placé que moi. Enfin niveau, je parle niveau in real life, hein, pas de la de la course. Allez, ramène ton cul. Ça fait 1-0 pour les nonnes. Je t'ai dit, je commence déjà à te battre sans me forcer. Sur les deux derniers tours, c'est dégueulasse. Me force même pas en plus, tu sais. Les deux derniers tours, ça me fait encore. Non seulement je te colle une tôle, mais ça me force en plus. Ça, t'es vraiment plus nul que je le pensais. Hein. Alors, donc les menus, c'est option avancée. Visuel seulement. Voilà. Là, on va pouvoir relancer. Parce que c'est juste pour te donner un avantage. Hein. Parce que sinon, les dégâts avec les roues qui crèvent et tout, ça c'est cool. Allez, vas-y, envoie la sauce, bibiche. Veuillez patienter. On est parti. Veuillez patienter. Et puis quoi encore? on a acheté un jeu, c'est pas pour se mettre les doigts dans le cul pendant qu'il charge une demi-heure, non? Allez, Lennon, tu me prends toujours rire, toi. L'envol, il t'emmerde. Voilà, je l'ai dit. Bon, ok, c'est bon, t'as compris. Ça faisait un moment que je voulais le dire. Donc, on en profite donc, voilà, de mettre cette vidéo sur le moment où on regarde Prime des Simpsons quand même. Hein. Sans déconner. Ouais. Bah, vu notre débit, le temps que ça publie, il faut bien s'occuper pendant le temps. Hein. Heureusement qu'on a dit. Oh l'enculé! Quoi? T'as encore
deuxième, moi je suis dernier, c'est pas juste. Ça va, je m'appelle joueur 2. C'est pas juste ça. Sais, c'est toujours les meilleurs qui sont à la première grille. Et les losers qui sont en fond. Première ligne. Ouais. Et les losers qui sont au fond. C'est les meilleurs en premier. Ah, il y en a deux qui ferment la porte là. On garde les pires pour la fin, comme on dit. Ah, c'est toi. Ouais. Ouais, le connard, il est venu m'en parler, ce con. Ah, il y a de l'action. Putain, j'aurais voulu être à ta place alors. C'est pareil, voilà. Et voilà. Ah, l'enculé. Ah, putain de merde. Ah, oui. Chier. Ah, oui. Vas-y. Ah putain, que ce crétin me fait. Ah ouais. Que ce crétin, je suis retrouvé dernier là. Ah, fait chier, j'étais bien parti. Putain, les, vraiment les départs en 5ème, 6ème minute, ça me rend insupportable sur les jeux de course. Hein. Rien comme preuve, la 6ème minute, sa dernière. En plus. Pénétration dans le pare-choc. Oh, quel... Oh, là, c'est un plan à 3 là. Ah, je rattrape. Oh, comment tu t'es mangé le mur, toi? Bah, j'ai voulu... J'ai voulu... T'as vu? Ouais. T'as vu le débris, là? J'ai voulu... Putain, les bois se sont levés. Ah, oh, le fou. J'ai voulu aplatir ta caisse et je me suis... Bah, je me suis bourré, quoi. Dis-le en palais, ou alors t'as voulu ta faute sur le rable face à moi. Ouais, je voulais imprimer ta voiture en format 4. Ou le renvoi vers... Je voulais imprimer ta voiture en format 4, mais j'ai plus d'encre. Oh oui, yes. Oh putain, enculé. De l'action. Allez, de la casse, au Rio State. Bon, au moins, je suis sûr de pas finir derrière. Voiture américaine à mocher, des circuits simples avec des pneus partout, des débris, puis un public américain complètement con qui font... Ouais. Non, ça, c'est un cassé américain. Faut que tu le saches. Bah, je le sais quand même. Non, parce que... Il faut bien le public. Non, parce que c'est ça, mes potes, là, il avait dit que le stock car, et il avait dit que c'était inventé au Japon. Non. Ah si, je te jure, le gars. Les Japonais, c'est le style du drift qu'ils ont fait. Ou enfin, chinois. Enfin, les Asies, enfin, plutôt l'Asie, quoi, voilà. Parce que les Chinois, quand même, ils sont pas mal, hein, de route, là, pour faire... une route en côte, là, pour faire des drifts. Hop là, hop. Putain, bordel, ça va, fruit, bande de con. Ouais, dégage-toi. D'ailleurs, j'entends dit. Là, je suis passé à l'extérieur, je me suis fait niquer. Oh, là, je me suis... Putain, le mur de pneus. Mais je suis mangé le mur de pneus, j'ai fait une putain de cascade, mec. Putain, je suis passé à l'extérieur, du coup, je me suis fait niquer. Victoire! Yes! Alors, toi, tu restes derrière. Voyons voir les résultats. Eh, je t'en raconte pas, j'ai gagné parce que l'autre, il a foncé. Mais il a fini out. C'est quand je suis passé par l'extérieur, quand même. Hein. Cinquième, oh putain. Ça veut dire que si j'étais pas face à l'extérieur, c'est moi qui aurais gagné. Tu peux cliquer sur recommencer? Ouais, bien sûr. Si. Ben, si j'étais pas passé à l'extérieur, tu te rends compte que c'est moi qui aurais gagné? Putain, les poules. Oh, attends, là. On va en faire une autre. Ah bon? Ouais. Mais pourquoi tu cliques pas sur recommencer? Pour voir les stats. Les stats? Oui, les stats. Pour qu'on le voie bien. Les stats? Quoi, ça va, là, du temps, hein? Ah oui, un partout, quoi. Tu tenais, c'est ça. Vas-y. The Duel continue prochainement dans votre fion. Non mais toi t'es vraiment un sadique, hein. Veuillez patienter. Mais t'es vraiment un odieux connard, les gars. Comme ma soeur se faisait de dire de patienter. Nous doit patienter pendant que je charge. Et toi tu pas. Et toi tu nous aides. Et toi tu veux pas tu veux pas patienter quand on te donne notre CB, hein, pour payer un sagouin, hein. Ah non, pardon.
Excusez-moi, Codemaster, ça c'y est qui font ça, pardon. C'est pas les bons. Arrête. Arrête, s'il te plaît, là. Arrête de troller, quoi. Sans deck. Enfin, excuse-moi, le prochain Need for Speed sur Android et iPhone et compagnie, ouais. 300€ la chaîne app, c'est pas plus... What? C'est plutôt... 4ème seulement. C'est plutôt eux qui nous trollent, hein. C'est dégueulasse. 4ème. 4ème position, c'est dégueulasse. Ah merde, t'étais devant? Ouais. Putain, merde. J'étais juste derrière que j'ai pouvoir te serrer. Bah non, en fait. Hein. Ouais. Ah. Pénétration, la pénétration. Pare-choc contre pare-choc. Roue contre roue. V6 contre V6. Carrosserie rouillée contre carrosserie rouillée. Aïe aïe aïe. Ah bah là je suis en train de carrément rayer la carrosserie gauche. Assurance contre assurance. Américain contre américain. Chauffard contre gendarme. Tu veux nous faire aussi le gendarme à Saint-Trope en tant que t'y es? Bah on est à Détroit, on n'est pas à Saint-Trope là. Waouh. Oh, oui. Oh le connard. Ah, ça c'était beau. C'est the moment de la vidéo là. Moment fort. Moment fort. Ouais, c'est the moment là. C'était le truc. Si vous avez regardé la vidéo jusque là, vous êtes des BG, vous avez rien loupé. C'était vraiment le truc à pas louper. Ceux qui se sont arrêtés avant ou qui arrivent après, c'est des cons. Des gros bisous. J'adore. Ils en parlent de bisous. Du relais, où ils s'en étaient là. Ah bah c'était pas trop tôt, c'est difficile à le cacher quand même, hein. Non mais cette année, parce que l'année dernière il l'avait avoué mais il l'avait complètement oublié. Ah mais ça c'est parce que c'est un poisson rouge, hein. Wow. Tiens, je me suis emballé contre mon coéquipier là. Ah ouais, sérieux? Ouais. Oh non mais... Complètement débile. Attends, je comprends pas, c'est Durand ton coéquipier? Non, c'est pas Durand. Espèce de corps du rat oublié qui sait même pas me conduire. Il a à peine en conduite accompagnée ce con là. Ah bah moi j'ai même pas encore le code et pourtant je fais du destruction derby, ça empêche pas d'en faire, hein. Non, ce que je veux dire, il est trop con pour le destruction derby. Oh bah pétard, pourtant il n'y a pas besoin d'être hyper intelligent non plus. Enfin, après pour être excellent, il vaut mieux être assez intelligent quand même, être malin. Mais surtout faut être téméraire, oui. Vous avez vu l'état du corps pour avant, putain, je pense pas d'être fort de compilote quand même, hein. Non mais. C'est pas parce qu'on a la même couleur que je te laisse tranquille. Mais qu'est-ce que tu crois toi? Non mais. Oh non mais vas-y là. Non mais. Mais pour qui il se prend là? Eh mémé. Ouais, on n'est pas à la maison de retraite là, hein. Attention. Oh dommage. Ouais, on a loupé la collision. Ah! Putain, mon coéquipier, il est venu et bam! Je vais rester derrière mes mains, ça s'est bien passé. Outrance! Obstruction de la voie! Qu'est-ce que je raconte, moi? Oh bordel! Et je gagne ma deuxième course d'affilée. Alors, connais-moi, et bam, tout simplement. Réaliser sa meilleure performance personnelle, voire même l'égaler. Ah, quatrième, tu progresses. J'aime pas ça. Ça vaut pas. Ah, putain. Mais de rien, moi, je préfère casser les voitures, tu vois, qu'arriver au bout de la course. Parce que généralement, c'est le mec qui défonce la gueule à tout le monde que le public applaudit en premier. Et après, c'est lui qui gagne la course. Parce qu'ils ont qu'autant. Mais après, ça dépend, hein. Ça dépend du public type que t'as. T'as le public type con qui aime les collisions et le public type con qui aime le mec qui arrive en premier. Je vais regarder les coloris parce que j'ai pas trop bien vu ce qu'il y avait. Eh, on n'est pas dans un magasin de mode, hein, tu fais pas tes courses. Non, mais les habillages, connard. Tu t'achètes pas un nouveau jean là? Attends, ouais. Bon, attends, c'est trop moche. La C, je l'ai déjà prise. La A, je la connais. Moi, je préfère les pantalons de sport. Pourtant, je suis pas sportif. La D, pas mal. Allez, je vais prendre la D. Tu sais, t'es pas obligé de garder les mêmes couleurs, hein. Je vais me casser les couilles, je vais prendre une couleur au hasard sans regarder. Pardon. Oh, mais tu pourrais te retenir, non?
C'est les faits, ce sont les inconvénients du direct, hein. T'as raison que j'ai de la flemme de faire du montage derrière pour couper ça. Et que j'ai pas les outils qu'il faut. Putain, je suis pas assez payé, moi. Je suis pas assez payé pour ce boulot. T'es même pas payé du tout. Bah, c'est ce que je dis. Ah, mais justement. Ah, t'as le bon délire, hein. À une semaine de ma première vidéo online, en plus. Sérieux? 7 jours? Ouais, grosso modo. Oh non! Première... Putain, la deuxième nuit 100% française! Ah, l'enculé! Oh, t'as pas vu? Mec? Quoi? Y'a un bouffeur de frites sur un grill. Ah ouais, sérieux? Deux places derrière... ouais, deux places derrière toi. Allez, vas-y! Putain, avance! Putain, troisième nuit, je suis faire un je pense que deuxième, moi. Ah, c'était moi, t'étais... Oh, d'accord! Ouais, bon, c'est si j'ai eu un doute. Je me suis mal gouré sur un grill. Pareil, j'ai eu un doute. J'ai pas fait gaffe à toi, j'étais mon jour de moi aussi, d'ailleurs. Je me demandais où t'étais, d'ailleurs. Je sais quoi, ça. Je suis mal gouré, je croyais que j'étais quatrième, en gros. Bah moi je croyais que j'étais pas quatrième d'ailleurs. On avait pensé à la même chose. Une grand fille. Oh, allez, petite cascade pour le prix. Oh oh oh. Oh bordel. Y'en a qui se sont foutus capote, hein. Comme des cons sur leur âme. Je vais te fumer mes pneus là. Allez, moi je dépasse proche du rail à la Monte Carlo. Putain, ça le fait pas! Merde! Putain, ça le fait pas sur une de soprano, bordel! Oh! Putain, voilà. C'est la Simpson. Putain, avec Simpson, ça marche mieux, mec! Tu feras mieux d'essayer! Bof, le ton de lecteur, tu connais, tu vois, ça. C'est pas pour la chanson ou parodie, certes, mais bon. Au moins, t'as cité le nom de l'artiste et t'as juste parodié, donc. Ça va. Ouais, mais ça marche mieux quand même, hein! Ouais! Il faut juste trouver des trucs qui sont plus américains ou qui finissent par on. On? Allumé? Être en marche? Non! Être ou N! Lettre ou N! Ah! Comme Johnson, Johnson, Thompson, n'importe. Bravo! What the fuck? L'autre il passe à travers! What ah, non, parce que j'étais en mode flashback en fait. Ah l'enculé! En fait ces deux enculés m'ont rentré dedans. Oui, c'est vrai que l'on a entendu. Un bâtard, le fumier! Et gros! Ouais, mais t'as failli être en tête si j'ai pu utiliser oui ce pack. Oui! Pénétration! Tu vas juste caresser là, c'est une caresse. Ça, c'est pénétration! Ah ouais! Et pas par le bon trou en plus, hein! Ouais, elle va pas dans le trou de la sécu! Oh bah putain, celui-là, tu entres, puis tu ressors pas, hein! Ah l'enculé! Ah le connard! Ah putain bâtard! Eh ouais. Hey, j'ai dominé toute la course, tu croyais pas que j'allais te la laisser non? Pis des connards! Eh hey, j'ai dominé toute la course, tu croyais que j'allais te laisser tranquille comme ça, non? Mais tu te prenais pour qui non? Fallait que je t'en... Après tout ce que tu m'as dit, faut que je t'en mette à ta place. Putain, triple français! Oh dégoûté! Voilà, je t'ai remis à ta place. Putain, triple français en plus, eh hey. Je te fais pas dire, mais c'est le deuxième triplé français que j'effectue sur YouTube. Ouais. Avec Grid Autosport. Mine de rien, je t'ai remis à ta place là. Alors, ouais. Donc les petites statistiques. Je t'ai remis à ta place. Bon, qu'en penses-tu une dernière pour se départager ou pas? Bah, wesh. Pourquoi pas? Ok. Mais là, par contre, on prend celui, franchement. Ouais bah attends, on compte par nombre de victoires, ouais mais sinon si on faisait par nombre de points, je suis quand même devant toi. Hein. Ouais mais c'est pas grave, les points, on s'en fout, c'est non. L'important c'est que quand l'un est devant l'autre. Parce que les points ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Par exemple la première course ça n'a pas gagné beaucoup, mais c'est juste que le mec il n'a pas de chance et voilà quoi, tu vois, je veux dire que les points, voilà, ça sert dans un championnat, mais là on est que deux. Ah je merde, j'ai pris tard. Donc on va pas faire nombre de points quand on est que deux, non?
Ah, ouais, bête. Là, il n'y a pas d'intérêt. En plus, on relance à chaque fois l'épreuve, donc le nombre de points, c'est pas d'intérêt. Surtout que la première course n'avait pas eu les mêmes paramètres que les autres. Mec, donc on peut pas comparer le nombre de points. Mais l'habillage D, le D, celui que je viens de prendre. D comme doudoune. Je pense à D comme Dimitri. Quoi? Le prénom du docteur dans Superchondriac. Ou D comme Duritz. D comme Durand. D comme Diarrhée. D comme Dépêche Mode. D comme Dysenterie. D comme Derby de démolition. Exactement. Pourquoi tu l'as pas dit avant, toi? Parce que là, je suis parti dans le délire avec tout ce qui est... What? Tous sur la première ligne? C'est scandaleux, bordel! Je voulais qu'il soit tout derrière moi, ce con! Bah... Ou du moins, je voulais être derrière lui! Si je pouvais pas être devant lui! Bon, super, il est en train de piloter comme un con, là! Ah, on est parti sur la même ligne! On va pouvoir se battre! Ouais! Si on veut. Oh, le bruit que ça a fait. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour la voiture, ça. Ah, tu demandes ça au maire, hein, il s'y connaît, lui, en casse de bagnole. Il a cassé des centaines de fois sa caisse, hein. En étant bourré. En soi, qu'il a une assurance, hein. T'as quand même demandé, hein. T'as quand même demandé des conseils, hein. Je sais pas comment il fait, moi. C'est juste, je suis pas sur un trou de ah. Ah super, je viens lécher le mur comme un bon chien chinois. Qu'est-ce que tu fais là? Ah merde! Ah putain! Il va falloir que je me... Oh bordel! Roulé sur un pneu. J'étais avec la jiquibure de pneu dans ma voiture. Ouais, c'est moi qui suis allé le défoncer alors que ma voiture était en bleu. Oh, culé! J'ai pas fait que je m'en ai le con! Ah! Ouais, c'est toi, tu m'auras pas, petite bite. Putain, mais c'est vraiment des bras de roulant, hein. On est parti sur la même grille. Ouais, et toi, t'as perdu. Pour l'instant, une place et moi, j'ai gagné une. Wow, quelle progression! Tu te fous de ma gueule! Exactement! Oh, le... En même temps, tu pourrais gagner qu'une place, on peut pas. Putain! Oh, le fumier! Putain, mais c'est toujours le même, hein! Deux fois, là, qu'il me refait. Putain, la troisième fois, je te jure, je leur fais un massacre. Putain, t'as croisé le même gars deux fois? Putain, quel chanceux, moi, j'ai toujours rêvé ça, j'ai pas des soutiens d'herbie des fois. Ouais, bah, deux fois, c'est plutôt malchance, hein! Bah là dans ton cas parce que tu voulais pas le défoncer, oui. Et quand tu veux le défoncer, je te dis que t'apprécies. Parce que toi tout ce qui t'intéresse, tu viens en prendre une sur la grille. Moi ce qui t'intéresse c'est défoncer mes amis. Putain ouais, rien, ton coéquipier est venu m'emmocher. Bah moi j'ai eu besoin de moucher par quelqu'un. Comme ça on est quitte. Oh bordel. Là on est vraiment quitte. Tu disais quoi là? Toi tu t'étais fait moucher par quelqu'un. Bah là pareil, comme ça on est quitte. Oh bordel! Oh, c'était pas passé loin cette collision. Oh le! Mais t'es un connard toi! Putain! Espèce de fumier! C'est ça la destruction de derby, hein. Oh non mec, t'es un tricheur là! Ouais, y'a pas de règle que les destructions de derby, t'as qu'à lire sur le truc des jeux, c'est comme ça. Putain, non mais là, mais faire scandale hein. Y'a pas de règle hein. Mais faire scandale! Sur circuit, oui, mais pas. Toi t'es un gars habitué au vrai circuit avec des règles et tout là, c'est mon territoire, Destruction Derby. Je vais faire scandale là. Vous pouvez pas te laisser gagner, pour mon honneur fallait que je te batte hein. J'étais obligé. Bon bah n'empêche, très belle course, très beau tournoi. Mais bah, n'empêche, je retiens que t'as vraiment fait le connard hein. Bah va pas pleurer, pour une fois qu'on a trouvé un truc, je suis meilleur que toi. Quand même. Ouais bah on en reparlera d'ici août. Exactement. La barco, c'est pas une plaisanterie, pas de destruction nerveux là. Pou, 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 pou.
Bon, c'est bon, fais pas le Mario, là. J'ai gagné la manche finale. Par contre, moi, je t'ai pas mis de grosse tannée, tu vois. Mais sinon, moi, j'ai mis plusieurs mais sinon places. Quand même, en nombre de points, je suis pas déçu. Ça, c'est vrai, ouais, t'as fait... Si on recalcule le nombre de points... Ouais, ouais, quand même. À un moment, t'as gagné, moi, j'étais même pas déçu. Il y avait un point d'écart entre nous deux, toi, t'avais fini 5e et moi 1er, ensuite 1er, toi 4e, ensuite toi 1er, moi 2e, et un nouveau 2e, et toi nouveau 1er. Exactement. Donc, enfin, bref, ouais, un nombre de points, j'ai dominé, hein. Ouais. Ce qu'on appelle une belle performance dans le métier. Dans le métier. Comme ça, tu sais. Dans le métier de ton cul. Alors donc, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la page Google Plus de notre chaîne French Epic Gaming. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, on vous souhaite un bon week-end et surtout un bon moment de grosse marade. Allez, ciao. Et d'ici là, on vous emmerde. Non, on vous aime. On vous aime, pardon. Ah, le seul. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien. Salut, petit clou. Bye, bye. Mais t'es un peu la communauté à jour, hein.